Hélicoptère devient en 2014 Airbus Helicopters. Ce stage a été pour moi l'opportunité d'appréhender la partie back-office d'une entreprise, ce qui m'était totalement inconnu auparavant. Ce stage m'a permis en particulier de comprendre les rouages du fonctionnement de l'entreprise grâce à un point de vue interne. Le fait de travailler sur les méthodes de tarification de la maintenance des hélicoptères m'a permis d'enrichir mes connaissances concernant les hélicoptères et notamment les pièces qui composent ces aéronefs. Au sein de la direction des opérations commerciales, le service EBOPS s'occupe de la politique commerciale des activités de service. 9 personnes travaillent au sein de ce service et se chargent de tâches diverses, allant de la création des conditions générales de vente à l'élaboration des prix des services. Ma fonction au sein de BOPS est d'assister mon maître de stage dans certaines de ces tâches de pricing. Le service EBOPS a une activité transverse. Chargé du contrôle des prix, EBOPS doit non seulement collecter l'information prix auprès des différents départements de l'usine, que ce soit en France ou en Allemagne, mais aussi être en interaction avec les services chargés de la relation client. Au cours de mon stage, j'ai été amené à remplir plusieurs missions. Ma mission principale est d'aider le service EBOPS, qui s'occupe de la tarification des réparations et révisions sur hélicoptère, à redéfinir la politique commerciale et à être capable de proposer des prix plus cohérents, permettant une transparence avec les clients. La MRO englobe plusieurs types de services. Maintenance légère, inspection périodique, révision générale, réparation suite à un crash, modernisation d'appareils et remise à neuf d'hélicoptères d'occasion. Tous les composants sont pris en compte, pales, ensemble mécanique, équipement et cellules. Pour cela, la clarification des différentes règles de pricing était nécessaire afin de contribuer à la nouvelle définition des prix. Pour réussir ma mission, j'ai dû me baser sur plusieurs hypothèses et simuler différents scénarios afin d'analyser les impacts que certains changements pouvaient engendrer. Le but de ces simulations était de pouvoir préparer les nouvelles offres à venir pour les appareils NH90. Le NH90 est un hélicoptère de la gamme militaire, servant notamment en déplacement de troupes. Il existe sous deux modèles, TTH pour les transports tactiques et NFH pour la lutte anti-surface et anti-sous-marine. Le NH90 a été conçu en coopération entre la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Belgique. J'ai travaillé sur l'offre qui a été faite récemment pour la flotte NH90 du Qatar dans le but de définir les nouveaux tarifs à proposer aux clients de la flotte française. Il existe deux types de machines qui composent la flotte, les appareils de type naval et les appareils de type terrestre. Concernant la maintenance d'un hélicoptère, le client peut choisir pour ses machines différents moyens de paiement pour la maintenance. Il existe un catalogue de prix pour les pièces, mais également un prix forfaitaire à l'heure de vol, PBH ou RBH. Afin de pouvoir réaliser ma mission, il m'était indispensable de connaître la composition des prix de réparation et révision, établis à l'aide d'indicateurs incluant tous les frais liés aux opérations de maintenance planifiées et non planifiées. Le but de cette mission était de comparer les prix actuellement proposés au catalogue avec les prix proposés à travers les contrats RBH, et ainsi voir quels étaient les gros écarts constatés, et notamment quelles pièces étaient les plus impactées. Par la suite, j'ai dû effectuer une simulation sur une période de 20 ans, mettant en avant un client sous contrat RBH, face à un client ayant choisi d'effectuer sa maintenance avec des prix proposés au catalogue, l'intérêt étant de démontrer une cohérence entre les prix au catalogue et ceux au RBH. Savez-vous de quoi se compose un hélicoptère et combien peut coûter sa maintenance? Ceci est un Super Puma. Il est composé de plusieurs pièces nécessitant des réparations et des révisions. Certaines d'entre elles sont extrêmement chères, notamment la main gearbox qui peut coûter jusqu'à 500 000 euros pour une simple révision. Concernant le NH90, celui-ci présente des frais de maintenance qui peuvent s'élever jusqu'à 15 000 euros par heure de vol. Sachant qu'un NH90 vole en moyenne 150 heures par an, les frais de maintenance s'élèvent pour le client à 2 250 000 euros à l'année. De plus, un NH90 coûte environ 28,6 millions d'euros à l'achat. Mon expérience au sein d'Airbus Hélicoptères m'a permis d'apprendre énormément sur le milieu de l'aéronautique, et plus précisément sur les hélicoptères. J'ai pu, grâce à ce stage, progresser sur plusieurs plans et améliorer certaines compétences, notamment celles liées à l'analyse de données. Ces 6 mois passés au sein du service BOPS ont été une expérience très enrichissante tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Grâce à mes collègues et aux nombreuses missions qui m'ont été confiées,
J'ai pu découvrir concrètement le fonctionnement d'une entreprise mondialement reconnue dans le milieu de l'aéronautique, les différents objectifs que j'ai dû remplir au cours de ce stage m'ont vraiment conforté dans mon choix d'une future carrière commerciale. Quant aux enjeux que j'ai rencontrés au cours de ces 6 mois, ceux-ci ont réellement eu un effet grandissant sur ma capacité à vouloir toujours faire mieux et atteindre des résultats plus importants. L'aspect international de ce stage a donc conforté mon envie de travailler au sein d'une multinationale et j'ai réellement pu affiner mon projet professionnel.